Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous montre ma cuisine. C'est dans un état, waouh, pas possible. Donc, on était allé à la plage. Donc, le matin ou même la veille, j'avais rien fait. Du coup, j'ai laissé tout traîner. Donc, retour de plage, on a pris la douche. Tout le monde s'est reposé et maintenant, je viens ranger un peu ma cuisine et en même temps, on va faire la cuisine ensemble. Alors, je vais commencer par mettre le produit détachant sur le petit body de Mathis parce que lorsqu'il a mangé, il a régurgité ce qu'il avait mangé. Ça avait bien taché le petit body. Je l'avais lavé, mais je vois que la tache n'était pas partie. Donc, je mets le petit produit. Pour ne pas faire tourner la machine avec un seul body, du coup, j'ajoute d'autres vêtements. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire tourner la machine qu'une seule fois. Qu'est-ce que tu fais, Mathis? Attention. C'est bon, c'est bon. Clé de verrouillage. Ah! Ouais, et il faut pas que tu touches, sinon tu vas boum et toute l'eau va sortir. Eh oui, il y aura plein de mousse. Ça sera le bain par terre. Maintenant, c'est verrouillé. Le bain. Si Mathis il ouvre la porte, ça va faire un bain. Il y aura, ça sera un bain par terre. Il peut pas ouvrir vu que je l'ai fermé, je l'ai verrouillé maintenant. Mathis, tu peux pas tourner, trop chier. Désolé. C'était comme une statue là. Ah, Mathis. Et pendant que Mathis et Annie sont en train de jouer, moi j'en profite pour venir débarrasser mon plan de travail. Alors je vais venir remplir le lave-vaisselle. Vous savez, ce truc, c'est un truc de ouf, honnêtement, le lave-vaisselle. Qu'est-ce que ça nous sauve la vie? Qu'est-ce que ça nous facilite les choses, parce que sinon il fallait que je nettoie tout ça à la main, et avec le lave-vaisselle il suffit simplement de remplir. Et déjà on voit que lorsque je mets tout dans le lave-vaisselle, le plan de travail est déjà débarrassé quoi. Là, c'est du bouillon de poulet. Je l'ai mis dans le bocal là. Puis j'ai oublié de mettre au frais. Du coup, maintenant qu'il fait super chaud, ce n'est plus bon. Il va falloir que je jette. C'est dommage parce que j'avais préparé avec tout mon amour. Et oui, c'est dommage. C'est vrai que je me suis fait avoir plusieurs fois. Quand c'est l'hiver, on laisse des trucs dans la cuisine le lendemain. C'est encore bon. Mais ces deux jours, je comprends rien de la saison. On ne sait plus si on est le printemps, l'hiver ou l'été. Honnêtement, il fait super chaud. Je ne sais pas quelle température il fait chez vous. Mais chez nous, il fait très très chaud. Dès que j'oublie de ranger de la nourriture le lendemain, c'est immangeable. Alors, tu vas laisser maman travailler? Tu vas aller avec papa et Annie? Hum? Papa arrive. Papa arrive. Ben, je suis papa. Fais un bisou. Ma. Fais-moi. Ma. Moi. Là, maman. Moi. Maman. Moi.
je pars par papa. Fais coucou, fais au revoir. Fais au revoir, bye bye. Oh. Fais bye bye. Il y a un donut qui m'a appelé. Là, fais au revoir, bye bye. Fais bye bye. Bye bye. Bye bye. On a acheté plein de bouquins. C'est un petit bouquin sur la Provence. Voilà, c'est tous les endroits à visiter, à se promener. C'est pas mal, c'est Stéphane qui l'a pris ça. Ça, c'est tous en cuisine. J'ai pris ça pour faire des petits plats pour le bébé Baptiste. Hein? Voilà, je l'ai pris dans la librairie à l'éclair. Ça, c'est pour faire des petits plats pour bébé. Et aussi, j'ai pris un gros bouquin de cuisine pour moi. Voilà, je crois que c'est pas mal. Hein? C'est vraiment gros. Et je crois que ça coûtait quoi? Ça a coûté 24,95€. C'est voilà, c'est s'organiser avec des recettes. Il y a des plannings, il y a pas mal de choses. Comme moi, je fais pas de. En général, je cuisine pas beaucoup en avance. Je me suis dit bon, pourquoi pas essayer là. On a dans ce bouquin, on a des voilà, on a la liste des courses à faire. Comment s'organiser, parce que moi en ces temps-ci avec les enfants, tu dis pourquoi pas essayer de faire des plats à l'avance, comme ça j'aurai, hein? Tu sais, 4 et 2 plus 4 et 5 égale à combien? Je sais pas. À 87. Ah bon? Oui. Bravo. Donc je me suis dit, ça sera bien de cuisiner toute la semaine ou le mois. Bon, le mois, ça va être compliqué parce que honnêtement, j'aime pas manger des trucs qui sont restés trop longtemps dans le frigo ou dans le congélateur. Je suis comme ça. J'aime bien acheter les légumes frais et faire à manger et on mange de suite, quoi. Ensuite, pour 2 jours, 3 jours, oui, c'est bon. Une semaine, ça peut le faire. Ça dépend des recettes. Et un mois, honnêtement, j'aurais du mal à le faire. Toi aussi, t'auras du mal. Donc voilà, ensuite on va essayer. Hein. Si j'essaye pas, je ne peux pas dire. Je crois que je ne vais pas réussir à parler. Donc je disais, je vais essayer, puis je vous dirai hein, si ça marche. Ensuite, moi, en général, les cuisines, les recettes que je fais à l'avance, que je peux garder au frigo longtemps, c'est les sauces maliennes, des recettes africaines. Vous savez, ça prend tellement de temps à cuisiner. Je ne peux pas me dire chaque jour, je vais cuisiner ça. Et quand je cuisine, c'est en quantité. Je fais beaucoup. Donc, je mets dans des pots ou je mets dans des sacs congélation, puis je les congèle. Ça, je peux. Quant à ma cuisine, je crois que c'est la dernière vidéo où vous verrez la cuisine comme ça. Parce que cette semaine, ils vont venir tout repeindre, changer les meubles. Et honnêtement, ça va pas me manquer cet état. Et dans des commentaires, j'ai vu des gens qui n'étaient pas sur ma chaîne, qui ne savaient pas ce qui se passait. Donc du coup, qui m'avaient dit que ma cuisine était sale. Je disais que non, c'était pas sale, ça avait pris feu. Et voilà quoi. Donc ouais, ça va pas me manquer du tout et j'ai hâte qu'on change tout ça et que j'ai une cuisine comme il faut. Honnêtement, ça a pris un temps fou, j'arrive même pas à réaliser que ça fait des mois. La cuisine, elle a brûlé en décembre. Ils sont arrivés ici, la cuisine a brûlé le 24 décembre, ils sont arrivés en janvier et là les travaux, les machins, c'est maintenant quoi. Ils ont dit le 30 de ce mois quoi. Donc ça, c'est long, c'est tellement long et l'assurance, on les paye quoi, et nous on paye. Et quand on a besoin d'eux, ça prend du temps, ils prennent leur temps, ils ne font pas le travail comme il faut. Et voilà, donc moi je faisais la cuisine comme ça, hein. De toute façon, je n'avais pas le choix et il fallait, si je voulais faire autre chose, il fallait que moi je contacte des gens qui par exemple des peintres, des plombiers, et il fallait que moi je fasse tout le boulot. Honnêtement, je m'y connais pas du tout, donc je préfère ne pas entrer dedans, de les attendre. Voilà, maintenant ils ont décidé de venir, maintenant ils vont faire tous les travaux et moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, parce que
avant ça, on a plein de trucs à bouger, les meubles, les décorations pour la peinture. Donc, ça va faire comme si on déménageait. Mais honnêtement, ça ne va pas être facile avec deux enfants. Donc, si vous n'êtes pas loin de chez moi, n'hésitez pas à me dire à garder les enfants. Alors, comme liquide vaisselle, c'est Palmolive que j'utilise. Omali, c'est ce que j'utilisais. En fait, quand je suis arrivée ici, j'avais continué à l'utiliser. Ensuite, j'avais essayé l'autre, une autre au citron de l'éclair. Et honnêtement, j'avais les mains qui séchaient. Du coup, je suis revenue sur le Palmolive. Oui, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne mets pas de gants quand je fais la vaisselle. Je suis pas habituée tout simplement. J'ai essayé, j'ai les gants, mais pour faire la vaisselle, je le fais comme ça. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si vous mettez des gants, mais moi honnêtement, pour la vaisselle, je fais tellement de vaisselle parce que à chaque fois que je vois un truc qui traîne, je prends, je nettoie et à chaque fois. Donc, à chaque fois que je mets les gants, je suis tellement pressée avec les enfants. Je pense que voilà, j'ai l'habitude de ne pas mettre les gants quand je fais la vaisselle. Et j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Ensuite, pour le nettoyage, pour, avec les produits nocifs, pour les produits de four ou les produits pour nettoyer la plaque à induction et tout, je mets les gants. Mais pour la vaisselle, je suis vraiment pas du tout habituée et ça me gêne. Absolument pas de nettoyer comme ça et après avoir nettoyé, je mets simplement une crème hydratante sur les mains et c'est réglé. Il y a ma boucle d'oreille qui tombe. Mathis, il tire tellement dessus que ça s'est déformé. Ça s'est déformé complètement. Une fois la vaisselle finie, je viens ensuite nettoyer l'endroit où je vais mettre mon nouveau grille-pain et nettoyer l'ancien pour amener chez Emmaüs. Voilà, ça nous a servi un bout de temps, mais il est temps de s'en séparer. Comme je suis bien lancée dans le nettoyage, j'en profite pour enlever, nettoyer aussi les bouquins et enlever toute la graisse qui s'y met parce que c'est à côté de la plaque de cuisson. Du coup, ça prend plein de graisse avec mon petit produit à base de vinaigre qui vient de chez Action d'ailleurs. Je pense que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos et du coup, je nettoie avec ça. Et je nettoie aussi le meuble voilà, qui est à côté. I grew up in a place where they told you what to chase.
told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Alors, je nettoie la plaque à induction avec l'huile liquide de vaisselle cette fois-ci parce qu'elle n'était pas du tout sale. Je nettoie souvent, donc c'était propre. Au fait, il y avait plein de trucs sur la cuisine à mettre dans la vaisselle, mais honnêtement, la cuisine elle-même n'était pas sale. Du coup, le plan de travail n'était pas sale du tout. Donc, je passe seulement un coup d'éponge avec le liquide vaisselle dessus, je nettoie. Et aussi, je nettoie aussi mon égouttoir qui est très important de laver parce que souvent on oublie et l'espace entre les petits espaces là, ça salit très très vite. Sinon, je le mets aussi dans la machine à vaisselle. Ça lave aussi très très bien. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down tout le nettoyage fini avec mon ancienne éponge, je jette à la poubelle. Ensuite, je viens nettoyer l'autre plan de travail. Voilà, je l'ai un peu débarrassé et je passerai un coup de chiffon et c'est propre. Voilà, ce plan de travail, on va mettre la même que l'autre parce que l'autre, c'est marron. Quand nous, on est arrivé, c'est nous qui avons installé. C'est Stéphane qui a installé tout ce côté-là. Vous voyez comment c'est joli. C'est mon mari qui a travaillé ça. Voilà. Je sors les feuilles de brique pour préparer des apéritifs. Je vais préparer des samoussas. C'est la première fois que j'utilise ces feuilles de brique qui viennent de chez l'éclair. Normalement, c'est plus malléable que l'autre feuille de brique. Donc, on va essayer et on va voir ce que ça va donner. Normalement, la farce, je l'avais déjà. J'avais déjà fait, mais comme j'ai tourné au moment où j'étais en train de préparer, j'ai filmé. Parce que je savais que j'allais mettre dans la vidéo, donc j'avais tourné, c'était un autre jour parce que j'avais fait des nems avec la farce que je vais utiliser et là c'est le reste que j'utilise. Donc j'ai pris une carotte et un oignon que je vais couper en petits morceaux. Je les fais revenir avec un peu d'huile. Ensuite, je viens ajouter l'équivalent de 2 gousses d'ail. J'ajoute ensuite 2 cuillerées à café de persil haché et 300 g de viande hachée, une barquette de viande hachée quoi. Normalement, comme je vous disais, ça c'est beaucoup trop pour la farce de samoussa, sauf si vous voulez faire plein quoi, plein de samoussa, parce que là, je vous assure, j'en ai utilisé pour les nems aussi, j'ai utilisé aussi pour faire du chili con carne. J'ajoute du sel, du poivre, un peu de cumin et aussi des épices de volaille. J'aime bien le goût parce qu'il y a pas mal d'épices dedans, dans l'épice de volaille. Donc je l'utilise souvent quand je fais de la viande hachée.
Et aussi, quand je fais des samoussas, j'aime bien ajouter du curcuma et un peu de ras el hanout. Je crois que c'est comme ça qu'on dit l'épice pour les couscous. C'est très délicieux aussi avec, mais lorsque je mets tout ça, Annie, elle ne mange pas, elle n'aime pas. Donc voilà, je fais maintenant au plus simple. Après 10 minutes de cuisson, tout est prêt, tout est cuit, c'est bon. Je viens mettre ma feuille de brique sur ce tapis de pâtisserie. Au fait, ça a un cercle aussi, c'est même taille que la brique. Donc du coup, je viens couper au milieu. Ensuite, je plie en deux. Je mets ensuite ma farce dedans et puis je viens envelopper comme ça. Je vois dans la vidéo qu'on ne voit pas vraiment, on voit pas beaucoup ce que je fais. Donc dans l'image suivante, vous allez plus voir ce que je suis en train de faire. C'est vraiment très facile. Et le petit bout qui reste, on va le faire entrer dans la petite poche. Voilà, cette fois-ci, c'était mieux, on voyait mieux ce que je faisais. Et comme je ne connais pas celle-là de briques, j'ai mis un peu d'œufs, de jaune d'œuf pour tenir, pour que ça colle, pour ne pas que ça s'ouvre à la cuisson. Après la cuisson, j'ai vu que ce n'était pas la peine, mais bon, ça gâchait rien non plus. J'ai fait combien? Tu en as fait 12, puisque... Puisque 8 plus 4 égale à 12. Alors j'en ai fait 12. 12, alors on avait oublié un sur le côté, du coup il y en a une. 12 avec un petit rond.
Non, 9 plus 3 égale à 12. Non. Si. Non. 9, tu as 3. 9, 10, 11, 12. Alors, je laisse Annie dans ses calculs et puis je viens mettre un peu d'huile dans la poêle, puis je vais venir dorer nos samoussas. Alors, une fois les samoussas cuits, je mets dans un papier absorbant pour prendre tout l'excédent d'huile qui est resté. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on fait de la friture comme ça, en général, ça prend beaucoup d'huile. Donc, il faut mettre sur un papier absorbant pour que ça prenne tout l'excédent d'huile. Et voilà, les samoussas sont cuits. J'ai accompagné ça avec une petite sauce aigre douce asiatique que j'aime beaucoup. Voilà, on va manger, on va déguster ça. C'est croustillant, c'est très très bon. Miam. Hein? Non, c'est pas pour toi. Très, très, très bon. Je valide. Miam, miam. C'est bon. Ah, Mathis, il veut, hein. Bon. C'est bon, hein. Bon. Allez, je te donne Mathis. Je vais chauffer ton petit pot. Je vais te donner un pot. Pour les chips, c'est des pois et un petit bout de mon sandwich. Ah bon? Ouais. C'est vrai que pour les autres, c'est pour meilleur. Ça ne fait rien dans cette bâtisse. Salut. Mets en arrière sinon tu ne vois pas. Salut. T'as pris tous tes doudous? Ouais. Et tu commandes? Ça. Le samoussa est bon? Oui. Oui, il s'appelle Dougie. Oui, il s'appelle Tata. Ah non, je suis trompée. Oui, il s'appelle Clafouti. Oui, il s'appelle Tata. Oui, il s'appelle Dougie. Lui, il s'appelle Panda. J'ai donné le nom Panda. Panda, parce que je ne sais pas comment l'appeler. D'accord. Tu vas retrouver le machin blanc, hein. De la place. Ah oui, c'est ça. Tout le monde est resté dans la cuisine et on a mangé les samoussas debout comme ça. C'était super bon et voilà. Donc les amis, notre petite vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à me laisser des commentaires. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous.